Au Bénin, le masque dénommé masque python enrichit le répertoire des sociétés de masques africains. Connu pour ses pratiques culturelles immatérielles des Agouda, Ouida, la cité historique multiculturelle et raciale, porte à la connaissance du monde une création artistique contemporaine basée sur son histoire dénommée masque python. Un spectacle de démonstration artistique révélé à Ouida annonce les couleurs de la célébration de la divinité des peuples Houeda de Ouida et d'ailleurs en décembre 2021. La commémoration aura lieu dans le cadre de la première édition du Carnaval international de Ouida, Sio. Le piton est une marque identitaire de la communauté Houeda. Quand vous parlez de Houeda, vous parlez des autochtones de Ouida, les premiers à s'installer. C'est une communauté qui s'est installée ici à Ouida autour des années 1500 et qui a pour l'emblème emblématique le piton. Le piton qui a joué un rôle important dans l'histoire et dans le vécu de cette communauté. Le masque python constitue une création contemporaine qui a été travaillée et conçue avec l'éminent professeur d'histoire Feu Félix Iroko. À travers le masque python, les organisateurs entendent faire voyager autrement l'histoire de Ouida. Il faut reconnaître que le masque, il est beau. Vous l'avez tous vu. Le masque est très beau. Et donc, c'est tout naturellement que je peux ressentir de la joie et de la fierté d'être maire de la ville de Ouida en ce moment-là. Parce que pour la première fois, il y aura un carnaval en Afrique de l'Ouest et pour la première fois, il y aura un carnaval au Bénin. Le masque python demeure le masque emblématique du carnaval international de Ouida, Sio. A noter que la première édition du carnaval aura lieu du 29 au 30 décembre 2021. Le Sio sera un condensé des couleurs culturelles du Bénin et d'Afrique à travers un message harmonieux des rythmes, danse, tradition, création artistique et de mode. Il mobilisera au total 4 000 acteurs de scène dans les rues de la cité des Passés.